Bruno, quel match? Ouais, ben oui, si vous voulez. On a fait une très mauvaise entame de match. Dans 25 minutes, on n'était pas sur les bases. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec leur agressivité. Et puis, on a repris le fil du match. La dernière minute de la première période, on était très très bonne, avec deux, trois grosses opportunités. Après, quand on revient en deuxième période, on a un but contre notre camp qui nous donne un petit coup de barre, mais 5 minutes après, on était de nouveau dans le droit fil. Jamais mis en danger, avec des mouvements de grande qualité. Après, on a toujours. On a un problème. Pousser la barre, pousser la gardienne du milieu de soi, pousser un peu de mal à l'aise. Mais ce qui est quand même encourageant, c'est que contre une équipe qui est quatrième au niveau mondial, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Et moi, je ne suis pas inquiet, le déclic va arriver, on continue à travailler, on travaille devant le but, on va encore travailler devant le but. Et quand le déclic va arriver, on va mettre les buts. J'aurais été plus embêté si on ne s'était pas créé l'occasion. Après, bon, le scénario, décidément, il ne faut pas être cardiaque avec cette équipe. Parce que, voilà, il était tard, hein, la cité juste après l'engagement. Mais c'était écrit comme ça. Une très très bonne rentrée de Camille. Tu as joué simple. Quand tu as joué comme ça, c'est très bien. Un gros travail de Marie-Laure Delis aussi devant. Ouais, mais ça fait un an qu'elle fait ça. Et depuis le début de saison, elle marque un peu moins de buts. Elle crée des brèches. Aujourd'hui, pratiquement, j'ai pas peur de le dire, aujourd'hui pour elle c'était injouable. Parce que sa défenseur n'a pas arrêté de la retenir par le même mot, dans toute impunité. C'est comme ça. C'est ça aussi le haut niveau. C'est ça aussi le niveau. Belle ambiance, c'est sympa. Les gens nous ont soutenus jusqu'au dernier moment. En fait, le public, il a été unissant d'équipe, il a cru jusqu'au bout. Quoi. Il a cru jusqu'au bout. Quand même, on a marqué à la 96e. Et l'équipe s'est pas déstabilisée par le penalty en fait qui a été arrêté par la gardienne. Elle est repartie en avant. Repartie parce que c'est une équipe qui est généreuse, parce que c'est une équipe qui est joueuse. Et le haut niveau c'est ça aussi. Il peut arriver des coups durs. Après, il y a 2-3 minutes qu'il faut courber le dos, puis après repartir de l'avant. Il y aura toujours des gens qui diront mais moi j'ai aimé mon équipe aujourd'hui. J'ai vraiment aimé mon équipe aujourd'hui. Par les qualités qu'elle a eues. Si on a manqué d'efficacité, je suis très très heureux d'être avec ce groupe-là, vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas eu une amélioration entre le premier et le deuxième match? Parce qu'en fait, en deuxième mi-temps, ils n'ont eu aucune occasion réelle, concrète. Mais la surface n'est pas la même aussi. Donc la surface de Nancy nous a peut-être, je dis bien peut-être, un peu désavantagé. Mais on partait aussi un peu dans l'inconnu sur le premier match, même si on avait des vidéos. Technicien vidéo, mon staff, ils ont bossé dur pour étudier le match dernier. Et c'est pour ça aussi qu'on avait changé les systèmes. C'est pour ça que c'est notre jour aussi. Hein. On ne dort pas. Hein. Après, mais ça viendra. On va les mettre au fond.